Je suis heureux parce que gagner cette finale-là, c'était l'objectif. On a fait ce qu'il fallait, on a su se retrousser les manches. Certes, on va dans les prolongations, c'était pas prévu. Après, comme je dis, il fallait passer par là, donc on est passé par là. On a su faire ce qu'il fallait, on a su faire le dos rond au moment qu'il fallait, parce que deuxième mi-temps, l'USR nous a quand même un petit peu mis en difficulté par le changement tactique. Après, on a perdu aussi, je dis Kyle Douglas au milieu, qui nous a fait défaut. C'est un petit peu notre métronome. Après, on a su se retrousser les manches. On a retrouvé des joueurs percutants. On a vu Mendy Chadru qui est rentré, qui a fait la différence. On a vu Raphaël Mirval à son maximum. Et puis, je pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous. Retourner dans cette compétition 2 ans après, je pense que c'est tout bénef. Je pense qu'on a appris de la première confrontation. Face au Golden, il y a 2 ans, on perd 4-1. Je pense que sur cette année, on ne va pas perdre 4-1. Je pense qu'on va surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes et on va aller représenter dignement le football européen. Justement, concernant ce match-là, en première période, vous avez largement dominé, vous avez procuré pas mal d'occasions et en deuxième période, l'USR est venu avec de nouveaux objectifs. Donc, est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas douté? Non, du tout. Je ne pense pas qu'on ait douté, je pense pas. Parce qu'on était préparé à ça, on savait que ça allait être compliqué, on savait que ça allait être difficile. Certes, on a dominé cette première mi-temps. Après, oui, on aurait pu marquer et se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Mais après, ça fait quand même le charme du football, il faut du suspense. Donc on a tenu le suspense jusqu'au bout, on a voulu aller au tir au but. Ok, pour le suspense, qu'avez-vous dit exactement à vos joueurs au moment où vous allez entamer les prolongations? J'aurais dit de toutes les façons, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour eux aussi. Donc il y en avait deux équipes qui s'étaient données pendant 90 minutes. Après, c'était malheur à celui qui prenait un but en premier. Ça nous a souri de notre côté. Et puis, je leur ai dit, il faut surtout ne pas douter, il faut continuer à croire. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On a cru, on a mis ce qu'il fallait. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous parler un peu du championnat parce que c'est l'objectif de l'USBM. Donc là, vous êtes troisième. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours chance pour l'USBM de gagner ce championnat? Oui, largement. Vous savez, de toutes les façons, on dit que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc oui, le championnat il est toujours jouable parce que quand on regarde les confrontations qui vont direct, il y a pas mal de beaux matchs encore derrière. Il reste encore 5 journées. Tout peut se passer. Regardez l'année dernière, ça s'est joué sur la dernière journée. Peut-être que ça se passera pareil sur cette saison. En plus, l'apothéose, on va finir par l'USR. Donc ça peut être une bonne chose pour nous. D'accord, merci beaucoup, félicitations. C'est bien, c'est la deuxième fois qu'on remporte cette finale. On l'avait gagnée il y a 2 années contre la Gauloise. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à aller à faire en Guyane. On veut aller gagner contre le Golden et c'est ce qu'on va se préparer au mieux pour aller faire un bon résultat là-bas. Donc vous avez marqué un temps de prolongation, donc en première mi-temps vous avez créé pas mal d'occasions. Vous n'avez pas à scorer finalement. Est-ce qu'à un certain moment de la rencontre, vous n'avez pas inquiété? C'est vrai qu'on arrive à un moment dans la saison où l'USBM a joué pas mal de matchs. On est encore en rencontre sur tous les tableaux. Les organismes commencent à fatiguer. Mais en prolongation, on arrive à marquer. Ça prouve que le mental est là, les joueurs sont concernés. Et la victoire de ce soir nous permet de continuer, donc on est content. Donc l'USBM a retrouvé son jeu flamboyant ce soir, surtout sur cette pelouse synthétique. Est-ce qu'on pourrait dire que les pelouses synthétiques vont bien avec l'USBM? C'est vrai que tout le monde sait que l'USBM ont des joueurs de qualité, des joueurs qui savent jouer au ballon, des joueurs de passe. Donc lorsqu'on tombe sur des pelouses, sur une pelouse synthétique comme ce soir, donc on profite au mieux de cette. On peut plutôt mieux de cette pelouse pour montrer le vrai niveau de l'USBM. Donc l'USBM, c'est ce qui lui attend. Le match contre Golden Lion en Guyane, comment vous allez vous préparer pour cette rencontre? On a à cœur, il y a 2 ans, c'est le Golden aussi qu'on avait affronté, donc on a à cœur de prendre notre revanche. On va se préparer au mieux physiquement, mentalement, et on va aller en Guyane pour représenter la Guadeloupe et faire le meilleur résultat que possible. Dimitri Bolivar, en championnat, l'USBM est donc 3e. Est-ce que vous pensez l'USBM peut gagner ce championnat? Tout est possible, ça va être très très vite dans le football. On sait que si les équipes devant nous font 1 ou 2 mauvais résultats et que nous, au contraire, on gagne, on sait qu'on repasse devant. Donc c'est à nous de faire le résultat à la fin de la saison.